C'est un vaste bâtiment qui abrite l'OIAC, l'Organisation internationale contre la prolifération des armes chimiques. En fin d'après-midi, une Citroën se gare sur le parking d'un hôtel à proximité. À bord de la voiture, quatre hommes. Ils sont sous surveillance des services de renseignement hollandais depuis leur arrivée sur le territoire. Quelques minutes plus tard, les policiers néerlandais les interpellent. Ils sont en possession de passeports diplomatiques russes. Les services secrets fouillent la Citroën. Dans le coffre, du matériel d'espionnage pour mener une cyberattaque contre l'OIAC. L'opération est classée confidentielle défense. Pendant 6 mois, les autorités hollandaises ne laissent filtrer aucune information. En octobre 2018, la ministre de la Défense néerlandaise en personne lève le voile sur cette affaire lors d'une conférence de presse fracassante. De manière inédite, les autorités révèlent toutes les coulisses de cette opération, photos à l'appui. Elles accusent les quatre hommes de travailler pour les services secrets russes. Je suis consciente que le dévoilement de cette cyberopération est une étape extraordinaire pour les Pays-Bas. Nous ne le faisons pas normalement. Mais là, nous envoyons un message clair. Le service de renseignement militaire russe doit mettre fin à ces opérations cybernétiques menaçantes. L'enquête de la police néerlandaise démontre que les cyberespions n'en sont pas à leur coup d'essai. L'un d'eux s'est rendu en Suisse en 2016. Sa cible, l'agence mondiale qui enquête sur le système de dopage mis en place par la Russie lors des Jeux Olympiques. Fin 2017, il part en Malaisie avec en ligne de mire cette fois le magistrat qui instruit l'affaire du MH17, cet avion abattu par un missile russe en Ukraine. Quelques heures après la ministre néerlandaise, les Américains mettent eux aussi en cause les services secrets russes. Nous annonçons l'inculpation de 7 officiers de l'armée russe pour violation de plusieurs lois pénales américaines, notamment d'activités cybernétiques malveillantes contre les États-Unis et leurs alliés. Dans la foulée, la Grande-Bretagne dénonce une tentative de déstabilisation internationale par la Russie. Quatre jours plus tard, le Kremlin finit par répondre. Il ne prend pas la peine de nier les accusations, mais s'étonne qu'une telle affaire soit étalée en place publique. Aucune information ne nous a été transmise par les canaux officiels. On ne peut pas prendre en compte une nouvelle qui nous vient des médias. Donc on ne donnera aucune explication et on ne fera pas de commentaires. Plusieurs États qui parlent d'une même voix pour accuser la Russie de cyberattaques, c'est une grande première. Quelle est cette guerre qui se joue désormais dans le monde numérique? N'importe qui peut être victime d'un attaquant qui va chercher à détruire vos systèmes informatiques, à vous détruire fondamentalement. Des services de l'État et des centrales attaquées, des hôpitaux mis à l'arrêt jusqu'à menacer la vie des patients. Je pense que les gens qui sont à l'origine de cette cyberattaque ne pensaient pas du tout aux conséquences sur les vies humaines. Cela leur était égal. Des médias sabotés. J'allume la télévision, écran noir. Mais qui peut bien vouloir attaquer TV5 Monde? Et des multinationales paralysées. Parmi les victimes dans l'Hexagone, Auchan, chez les biscuits Saint-Gobain, Oreo, le géant du bâtiment français Saint-Gobain. Nous allons vous raconter comment des ordinateurs sont désormais utilisés comme des armes. L'unique but de ce logiciel-là, c'est de détruire les données. Il n'y a aucune chance qu'on puisse récupérer les données déchiffrées. Donc c'est un logiciel de sabotage. Pour attaquer, plus besoin de soldats.
quelques hackers suffisent. C'est plus simple d'utiliser des mercenaires, ça évite d'avoir un lien direct avec le gouvernement. Если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильную, в борьбу с теми, кто как бы плохо отзывается о России. Les pirates russes notamment sont passés maîtres dans l'art de dérober des mots de passe, de pénétrer des systèmes et d'y loger des virus dévastateurs. À ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions affaire à un niveau de cyberattaque jamais vu auparavant dans le monde entier. Anonymes derrière leurs écrans, ils sont rarement démasqués et sanctionnés. Contrairement aux autres conflits, on ne voit pas les forces en présence, on ne voit pas l'adversaire. Comment la France fait-elle face à cette nouvelle menace cyber ? Nous considérons l'arme cyber comme une arme à part entière. Nous n'avons pas peur de l'utiliser et nous n'aurons pas peur de l'utiliser. Qui sont les hommes et les femmes de l'ombre qui tentent d'empêcher ces attaques virtuelles aux conséquences bien réelles ? Est-ce que cette attaque a permis à l'attaquant d'être en profondeur dans les réseaux les plus cachés du ministère ? Donc c'est ça ma première angoisse. Notre cauchemar, c'est avoir quelques dizaines de sociétés très sensibles pour la nation touchées en même temps par une attaque. Et on sait que si un jour ça se produit, ce sera extrêmement difficile. Avons-nous les moyens de faire face à une attaque de plus grande ampleur, ce que les spécialistes appellent le cyber-ouragan ? Ce 8 avril aurait dû être un grand jour pour TV5 Monde. Le groupe audiovisuel public inaugure une nouvelle chaîne sur l'art de vivre à la française. Il y a tout juste une heure, style HD, le luxe, la mode, la gastronomie sont de fortes valeurs à l'export et leur centre névralgique se nomme entre autres Paris ou encore Bruxelles. Mais c'est quoi au juste l'art de vivre ? Nous allons tenter de vous apporter... Le directeur de TV5, Yves Bigot, accueille pour l'occasion le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Monsieur le ministre, pardon. Je vous en prie, le centre nerveux de diffusion. Ah, ça c'est le moment, ou jamais. Allez-y, prenez donc l'icône avec votre doigt. Alors, et, c'est ça. Voilà, et vous la faites glisser à l'endroit névralgique. Ah là 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 là. Voilà. Et ça wow. Voilà, la chaîne commence sa diffusion. C'est voilà. Quelque chose de magique, hein. Ouais, hein. Style HD sera accessible à 354 millions de foyers à travers 200 pays. Très bien. Bon, on a envie de la regarder. Voilà. On est soulagé, on souffle, ça s'est bien passé, la chaîne a bien démarré comme il fallait, etc. Ouais, tout va bien, il y a une espèce de douce euphorie de relâchement. Voyant rouge continue à augmenter. Là, concrètement, la suspicion d'une attaque
s'insinue très profondément dans les esprits de chacun. Il faut leur couper tous les accès à la chaîne, fermer toutes les portes. Pour cela, une seule solution, radicale. Je me rappelle d'ailleurs avoir dit « coupe-moi Internet, j'en ai rien à foutre ». Pour une chaîne de télévision, ne plus avoir d'Internet à la fois pour recevoir du contenu, fabriquer du contenu et le publier, le livrer, c'est quelque chose de dramatique. C'est vraiment une décision qui est très douloureuse. Mais en même temps, elle est salvatrice, puisque je sais que, de ce fait, les attaquants ne pourront plus agir. Revenu d'urgence rue de Wagram, Yves Bigot, le directeur, fait alerter la place Beauvau. Le ministère de l'Intérieur envoie immédiatement des mineurs et CRS pour sécuriser le bâtiment. Car derrière ce cybercalifat, plane la menace terroriste de Daesh. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est 3 mois après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Et je ne sais pas à ce moment-là s'il n'y a pas une menace sur l'immeuble et donc sur le personnel. On craint qu'il y ait alors, des bombes, je ne sais pas, mais des fusillades, de la prise d'otages. Le directeur réunit Hélène Zemmour, Alexis Renard et les principaux cadres de TV5 Monde. Son bureau se transforme en cellule de crise. On est sonné, hein, un peu comme un boxeur, comme si on avait pris un coup. Et on est un peu perdu, hein. Je veux dire, faut dire les choses, faut pas faire croire qu'on maîtrise, hein, ces situations. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si ça va durer encore 3 minutes ou si ça va durer des heures, peut-être des jours. On n'a aucune idée. On est dans le Schwartz complet. Pour supprimer les messages de propagande du cybercalifat, la priorité d'Hélène Zemmour est de reprendre la main sur les réseaux sociaux.
les process sur Twitter et sur Facebook nécessitent de s'identifier avec les identifiants officiels TV5. Un casse-tête. Le défi qu'on a ce soir-là, c'est de récupérer les identifiants et les accès et les mots de passe, alors même qu'on n'a plus de messagerie et qu'on n'a plus les adresses mail qui ont servi à ouvrir les comptes. Je lui dis là, c'est l'enfer, je n'y arrive pas, on n'a plus rien. Elle parvient finalement à joindre les directions de Twitter et Facebook France, qui confirment impossible de récupérer l'accès aux comptes piratés. Ils seront définitivement supprimés, d'autres recréés. Trois heures déjà que TV5 est dans le noir. Yves Bigot décide de s'adresser aux téléspectateurs. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe, qu'on leur parle. C'est notre responsabilité. Avec les moyens du bord. On a des téléphones mobiles, on s'est filmé, donc on fait un message court et on filme cette vidéo. Jusque-là, c'est simple. La difficulté, une fois que le message vidéo est enregistré, c'est de la télécharger pour la mettre en ligne sans réseau. Parce qu'on est dans des bureaux, ça capte pas forcément très bien. Donc, puis cette image du bras tendu à travers la fenêtre, dans des fenêtres qui ouvrent mal, de bureaux pour arriver à mettre en ligne cette vidéo. Le message d'Yves Bigot est finalement mis en ligne sur YouTube et sur les réseaux sociaux, tard dans la nuit. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Ce piratage a conduit l'ensemble de nos 11 chaînes, les 9 généralistes et les 2 thématiques, à virer à l'écran noir. À 5h du matin, ces écrans noirs se rallument. Mais le direct reste toujours impossible. La chaîne passe des rediffusions.